Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Crisis, à cette ultime bataille, affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner tout que coûte. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Contain, l'énergie, pop up. Dans le dernier épisode de Beyblade, Kenta et ses amis sont devenus de meilleurs bladeurs grâce à leur nouvelle amitié avec Jinga Hagane. Mais les ennuis ne sont jamais bien loin lorsque Benkei et les chasseurs de têtes sont dans les parages. Jinga est défié par Benkei dans un combat contre sa nouvelle toupie Dark Bull. Jinga accepte de relever le défi et rencontre Benkei dans un entrepôt désert. Benkei jure qu'il aura le dessus dans ce duel, mais Jinga ne s'avoue pas facilement vaincu. Pegasus et Dark Bull sont lancés. Les adversaires combattent jusqu'au bout. Jinga triomphe, mais il sait que ce n'est que le début. Taureau en colère, Dark Bull. Mon bras est aussi raide qu'une planche de bois. Mais un bras douloureux n'est pas une excuse pour abandonner. Kyoya est quelque part en train de s'entraîner. Hyper vitesse, là ! Concentre-toi, Benkei. Tu dois devenir encore plus fort pour le bien de Kyoya. Hyper vitesse pour la millième fois. Dark Bull. 1, 2, 3, 4, tire ce pas pour mieux combattre. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Des crabes. Mad Gâcheur. Est-ce que tu veux me serrer la pince? Hyper vitesse! Hyper vitesse! Alors, comment se passe l'entretien de ma toupie? Et la mienne, alors? À la fois, s'il vous plaît. Elles sont toutes ici, les garçons. Madoka a vraiment beaucoup de travail aujourd'hui. Oui, parce que c'est la meilleure de la ville. Voilà pour vous. Et prenez bien soin de vos toupies, d'accord? N'oubliez pas, si vous traitez bien vos toupies, elles seront de meilleurs partenaires. D'accord. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Client suivant, s'il vous plaît. Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Regardez ma pauvre toupie. Mais c'est affreux. Qu'est-ce qui est arrivé à ces toupies? Un type effrayant nous a attaqué. Il a dit qu'il voulait égratigner nos toupies comme son mat cacheur. Ma pauvre petite toupie sans défense. Comment peut-on faire ça? C'est impardonnable. Attends! Madoka, attends-nous! Séparons-nous et fouillons la zone! Tout seul? Écoutez, si vous le trouvez, appelez-moi immédiatement. N'essayez pas de l'affronter tout seul. D'accord. Pour oser endommager des toupies de cette façon, il faut vraiment avoir un pet au casque. Tu ne veux pas plutôt dire à la carapace? Pigé. Hyper vitesse. J'ai perdu. Crabuleux. Mais je n'ai pas fini. Oh. Attaque, ma gâcheur! Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Ça pince, hein? Ça
suffit maintenant. Le duel est terminé. C'est vrai. C'est pas fair play. Et maintenant pour un crabastique final. Oh. 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 Pince alors. C'est affreux. Trop affreux. Alors, qui sera ma prochaine victime? Est-ce que c'est toi, petite étrille? Bien toi, petite étrille numéro 2. Ça suffit! Kenta! N'essaie même pas de toucher à un seul cheveu de mes amis! Alors, tu veux te proposer pour être mon prochain adversaire? N'essayez pas de l'affronter tout seul. C'en est trop! Je vais t'affronter! 3, 2, 1, Hyper Vitesse! Vas-y, Kenta! Allez, en avant, Sagittario! Le petit crabe a du talent, finalement. Oh, c'est quoi cette chose derrière vous? J'ai gagné! Comment c'est arrivé? Ces crabes m'en tristes. Et maintenant, un petit coup de pince au grand perdant. À l'attaque, Matt Gasher! Sagittario! Jinga! Comment oses-tu t'interposer? Je suis désolée, Jinga, j'ai voulu... Ne t'inquiète pas, tout va bien, Kenta. Tu as eu raison d'essayer de protéger tes amis avant tout. Merci beaucoup. Ah, pincez-moi, je rêve. C'est donc toi, Jinga Agane. J'ai entendu parler de toi par un gros tourteau appelé Benkei. Benkei a parlé de Jinga? Et toi, qui es-tu? Je suis le blader errant, Tetsuya Watarigani. Les mots comme amitié me donnent le mal de mer. Je vais fracturer ta carapace et celle de ta toupie. Tu es prévenu. Maintenant, en garde! Non, merci. Le crabe a dit quoi? Je n'accepte de combattre que les bladers. Selon moi, quiconque raye des toupies intentionnellement n'est pas digne d'être un blader. Allons-nous-en, Kenta. Oui, pareil. Et si je vous parlais de Madoka, ça vous ferait changer d'avis? Oh. Est-ce que tu sais où elle se trouve? Espèce de... Pourquoi Madoka? Ça y est, tu as sorti les pinces. C'est crabement drôle. Je pensais pas trouver un stadium dans un endroit pareil. Il a la forme d'une carapace de crabe. Sans blague, petite étrille. Matt Gasher est la constellation du cancer. Vous ne trouvez pas que c'est le stadium parfait pour moi et ma toupie, petit crabe? D'où viennent ces trous? Est-ce que tu es prêt? Évidemment. N'oublie pas notre accord. Si Jinga gagne, tu nous diras où se trouve Madoka. Ouais, ouais, je vous la rendrai, crevette. J'ai bien compris, mais si c'est moi le vainqueur... Tu veux me prendre mes points? Ah, les points, c'est bon pour les bipèdes. Oh. Tout ce que je désire, c'est pouvoir couvrir ton Pegasus de rayures. Tu vois où je veux en venir? Je ne suis pas à prendre avec des pincettes. Petit crabe. Nom d'une pince. Jinga a gagné. Maintenant, tu dois nous rendre Madoka. Que je sois mangé avec de la mayonnaise, tu es plutôt doué. Et c'est parti pour le second round, petit crabe. Le second round? Ça se jouera en trois manches. Le premier qui gagne deux rounds sera le crabe, je veux dire le vainqueur. Tu ne l'as pas dit avant! Ah bon, je ne t'ai pas prévenu. Je pensais pourtant l'avoir fait, non? Si, si, je suis certain de l'avoir dit. Tu as déjà perdu, espèce de tricheur! Tu dois avoir du sable dans les oreilles, c'est fréquent à la plage. Tu n'as rien dit du tout! Pourquoi vous n'écoutez pas tout simplement les mots dans mon esprit? Oh. Donc tu ne l'as jamais dit! Maintenant, relève tes pinces! Tu dois être très inquiet pour Madoka, grand crustacé. C'est parti, le deuxième duel. 3, 2, 1, Hyper Vitesse. Je vais en finir d'un seul coup.
Pegasus, explosion stellaire! Oh, des crabes! De l'écume! Évite-la! Pegasus! Oh, il a glissé sur l'écume! Garde l'équilibre, Pegasus! Ça, c'est un coup bas! Qui aurait pu imaginer qu'une bande de crabes allait apparaître? La nature fait parfois des choses étranges. Hein? La nature n'y est pour rien, c'est ton œuvre! Tu ne me laisses pas le choix! Charge-les, Pegasus! Quoi? C'est honteux! Oh. Tu vas vraiment attaquer ces pauvres petites créatures sans défense? Comment arrives-tu à dormir la nuit? C'est toujours mieux que toi qui te caches dans ta carapace! Oh! Qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai gagné! Je crois pas! Donc nous en sommes à une victoire chacun, petit crabe. J'ai perdu, est-ce que c'est vraiment arrivé? J'ai vraiment perdu. Captain Crew n'a pas gagné, c'était un crabe. C'est injuste. Et ce round-là ne compte pas. Les accidents, ça arrive, en particulier lors des duels. Une manche partout, c'est en train de devenir un très beau combat. Watarigan, tu es un tricheur. Ce n'est pas grave. Mais Jinga... Il suffit que je gagne la prochaine manche. Cette fois-ci, je ne perdrai pas. Crabuleux. Tetsuya Watarigani, c'est quoi cette mascarade de duel Beyblade? Hé, hey, j'ai dit que ça faisait mal. Arrêtez. Aïe. Ça suffit maintenant. Troisième round, les pinces levées, c'est parti. Jinga, tu peux y arriver. On croit en toi, tu vas l'avoir. Allez, Jinga. D'accord, laissez-moi faire, les gars. Crois-tu vraiment que tu vas gagner simplement parce qu'ils auront fait claquer leurs pinces pour toi? Exactement. Avec de bons amis derrière lui, le pouvoir d'un blader peut augmenter de 200 ou 300%. Allez, Jinga! C'est exactement ça que représente le Beyblade! Tu as tort. Totalement tort. Je ne m'embarrasse pas de choses comme les amis. Ces histoires d'amitié... Ces histoires d'amitié sont inutiles! Ah, regardez bien attentivement mon matgâcheur! Pourquoi cette toupie fait une telle grimace? Je n'oublierai jamais cette tristesse. Cette haine, cette colère. Waouh. J'ai encore perdu. Tu es vraiment un excellent blader, Echizen. Mais ça ne m'étonne pas, tu es le numéro 1 de notre village après tout. Si tu t'entraînes, toi aussi tu pourras devenir plus fort, Watarigani. S'il te plaît, aide-moi à devenir un blader encore meilleur, Echizen. Évidemment que je t'aiderai, parce que toi, tu es carrément mon meilleur ami, pas vrai, mon pote? Ouais. Lequel de vous deux est Echizen? J'ai appris qu'il était le meilleur blader de ce village. Je m'appelle Taraba, et je suis un blader ayant emprunté la voie du guerrier. Taraba? J'ai entendu des rumeurs sur son compte. Il écrase ses adversaires. Echizen? Est-ce qu'il va bien? Lequel de vous deux est Echizen? Echizen est en train de perdre les pédales. Mon meilleur ami est... Bon, d'accord, c'est moi, Echizen. Ha! Alors c'est toi. Prépare-toi à combattre. Faites ton mieux, matgâcheur. C'en est fini pour toi! J'ai gagné! On se reverra! J'étais trop faible, je n'ai pas pu soutenir ma toupie. Et mon matgâcheur était maintenant rayé. Mais ça valait quand même le coup parce que j'ai pu protéger mon meilleur ami. Le plus important, c'est que lui aille bien. Oh. Echizen! Voilà ce qui arrive quand on se dévoue à un ami. Echizen m'a laissé là, tout seul, en s'enfuyant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que des choses telles que l'amitié n'étaient qu'illusion. Et puis, quelque chose s'est éveillé en moi. Petit crabe. Petit crabe. Petit crabe. J'ai vaincu Taraba facilement. What?
Arigani. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu ne me considères plus comme ton ami. C'était il y a tellement longtemps que j'ai oublié. Mon règne de terreur ne fait que commencer. Qu'est-ce que tu en dis, Madgasher? Couvrons toutes les toupies du monde de rayures. Petit crabe. Oui, voilà ma vengeance. Petit crabe. Maintenant, en garde. Et 3, 2, 1, hyper vitesse, yeah! Je vais te faire mordre la poussière. Je vais te prouver que tu as tort et que les amis sont importants. Intéressant, mais il faudra d'abord gagner. Et ça, ça n'arrivera pas, Jinga, à gagner. Point de performance à fonction variable. Oh, mais pourquoi elle est si haute, Jinga? Elle ne pourra jamais attaquer de cette façon. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir en tête? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ça en passe, hein? Quoi encore? Oh, Pegasus! Ah, j'ai compris, il a mis sa toupie en position haute pour qu'elle ne soit pas affectée par la boue! Pegasus va s'arrêter de tourner très bientôt grâce à la boue. Je n'ai qu'à patienter un petit peu. Petit crabe! Qu'est-ce que je vais faire? Allez, Jinga! Tu peux pas perdre! Ça ne sert à rien! Les encouragements, l'amitié, claquer des pinces, toutes ces choses ridicules n'apportent aucune aide! Qu'est-ce que tu crois qu'il devrait faire maintenant? Oh, cette spirale! On dirait une tornade! Une tornade? Jinga, tu te souviens du coup spécial de Kyoya? Le coup spécial de Kyoya? Le rugissement tempétueux du lion! Hein? Merci, Kenta! Pegasus! Tu peux tenter tout ce que tu veux, tu es déjà fichu. Comment, crabe? Tornade ailée! Mais comment la boue? Maintenant, Pegasus! Je ne ferai pas ça à ta place. Oh. Si jamais je perds, je ne te dirai pas où se trouve Madoka. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est le contraire du marché que tu nous as proposé tout à l'heure! Tu nous as menti encore une fois! Je ne vois pas de quoi tu parles, petite étrille. Alors, que vas-tu faire, petit crabe? C'est pas la peine de t'inquiéter pour moi. C'est Madoka. Regarde, c'est Benkei. Alors c'est bien vrai, tu lui as parlé de Jinga. Non, Kenta, arrête de crier, tu te trompes. C'est Benkei qui m'a sauvé. Quoi? Aïe. Oui, oui, arrêtez, ça suffit maintenant. Benkei. Mais pourquoi Benkei t'a sauvé? Eh bien, j'ai réalisé que un duel Beyblade devait être loyal. Je déteste la façon de combattre de Watarigani, ça me rend malade! Dark Bubububul! Benkei! Benkei? Tu as sauvé? La 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 la, j'entends rien, j'entends rien! Allez, bats-toi, Jinga, vas-y! Ok, on reprend la partie, Watarigani! Ça ne devait pas se passer comme ça! Watarigani. Si j'ai gagné, c'est parce que mes amis m'ont soutenu. Tes amis? Parfait, tu as compris maintenant, n'est-ce pas? Il est temps de mettre fin à toute cette histoire de vengeance. Les combats de toupies ne devraient exister que pour s'amuser. Regarde. Il sourit. Oui, c'est vrai. Tu devrais essayer aussi de temps en temps. Me voir à la boutique un de ces jours. Je réparerai Madgasher avec plaisir. Mais avant ça, tu comptes bien t'excuser d'avoir rayé toutes ces toupies, n'est-ce pas? Oh, regardez un crabe de l'espace! Hein? Il n'y a rien du tout. Il s'est
t'enfuis. Petit crabe. Ami sourire, désolé, mais ces mots ne font pas partie de mon vocabulaire. Ma vengeance est intacte, en pince alors. Enfuyons-nous. Fuyons. Bon sang, c'est clair qu'il a un grain, je comprends vraiment pas ce type. Moi non plus, mais ce qui compte, c'est que Madoka n'est rien. Merci de vous être inquiété pour moi. Oh, à propos, où est passé Benkei? Oh, Benkei. Jinga a gagné. Je dois avouer que tu m'as donné matière à penser aujourd'hui. Dark, bip, 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 bip.